Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode d'Happy TV. Le Mag, cette semaine, grosse semaine, nous allons vous amener à Palavas, à la Grande Motte, à Villeneuve-les-Maguelones, un petit peu partout, mais je vous laisse voir le sommaire en image et on se retrouve tout de suite après. Directement à Palavas, nous avons rendez-vous avec Miss Landoc Roussillon. Je vais faire un petit discours. Je ne voudrais pas que ce soit trop officiel et parce que j'ai beaucoup apprécié. La beauté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bon, tout le monde n'est pas beau. Mais quand on est beau, belle, et en plus de ça, simple et intelligente, je crois que c'est parfait. Bien, bonjour à vous tous. Nous sommes aujourd'hui à Palavas, dans la salle municipale, avec Miss Landoc Roussillon. Alors, Miss Landoc Roussillon, depuis quand? Depuis le 6 août, c'était à Carnon. À Carnon. Et donc là, si je ne me trompe pas, tu vas te présenter pour Miss France, c'est ça, le 17, c'est ça, le 17... Oui, le 17 décembre à l'Arena. Et alors, comment tu le vis, comment tu ressens ça? Pour l'instant, je suis très 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 contente. Ouais. Mais c'est beaucoup de préparation, donc je dois participer à des événements, je me prépare sur le plan physique, le plan mental. C'est toute une agitation, mais c'est prenant. Ça fait combien de temps que tu es Miss Landoc? Depuis le 6 août, et ça change quoi dans une vie? Parce que tu es jeune, quel âge tu as? J'ai 21 ans. 21 ans, Miss Landoc, tu représentes un gros département quand même. Oui. Et ça change. Une grande région, surtout. Une grande région, surtout bien sûr. Elles ont été fusionnées maintenant. Tout à fait. Et alors, ça met un peu la pression. Est-ce que ça modifie un petit peu ton style de vie? Parce que je suppose qu'à ton âge, tu es étudiante. Oui. Donc, ça a changé quoi exactement? Ça change complètement le style. L'emploi du temps, au niveau de l'emploi du temps, c'est complètement différent. J'ai beaucoup plus d'événements, j'ai beaucoup plus de choses à faire, de choses à penser. J'ai une préparation, donc comme je le disais, au niveau physique, donc je dois faire beaucoup de sport. Je dois m'entraîner, prendre des temps pour préparer mon test de culture générale. On a un test de culture G, donc oui, il faut s'informer un petit peu des actualités. Après c'est prendre du temps aussi pour m'entraîner à marcher parce qu'il faudra défiler le 17 décembre. Après c'est des préparations aussi au niveau du discours, il faudra prononcer. Alors attends, moi j'ai une autre question. Comment on se dit un matin, on se lève et on se dit je me présente pour être Miss Landoc ou Miss Palavas ou Miss Carnot, enfin. Comment ça se passe dans une... Je sais pas, on a 21 ans, on a plein de copains, des copines, on fait des sorties, on étudie, on fait... Et un jour, on se réveille, on se dit, tiens, voilà, je vais être Miss Landoc. Peut-être que pour d'autres filles, ça s'est passé comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était en 2014, justement à Palavas. Un ami m'a parlé de l'élection, il m'a dit, il faut que tu te présentes. Alors au début, je lui ai dit... T'es belle, t'es jolie, allez. Oui, voilà, il m'a complimenté, tout ça. Et en fait, à la base, je lui ai tout de suite dit non, c'est pas pour moi. J'étais vraiment toute timide, presque trop réservée. Et je ne me voyais pas du tout dans un concours comme ça. Et finalement, avec ses arguments, avec des arguments du coiffeur aussi, du comité à l'époque, je me suis laissée convaincre. Et j'ai participé et j'ai été élue Miss Palavas 2014. Être belle et avoir les qualités que vous avez, gentillesse, d'être toujours présente, toujours souriante. C'est compliqué de toujours sourire, vous savez, mesdames et messieurs.
Eh bien, moi je vous félicite. Voilà. Alors là, maintenant on passe à une autre étape, ça veut dire c'est Miss France, c'est quand même complètement différent. Tu as des concurrentes, tu les connais, tu les as vues? J'en ai rencontré quelques-unes. Je connais très bien Virginie Guilin, Miss Midi-Pyrénées. Ouais. Dernière question. Oui. Sur une échelle entre 1 et 10, tu te situes où par rapport à tes concurrentes? C'est un peu salaud, c'est un peu vache la question, mais bon, oui, allez, juste histoire de se dire un petit peu, on se dit là, si on peut avoir un petit tuyau, et que tu peux nous annoncer un truc qui peut être super sympa, c'est ton avant-première, ça pourrait être vraiment génial. Non, sans présenter, de 1 à 10, tu te situes comment? Mais alors, je ne saurais pas du tout vous répondre, parce que cette année, c'est vrai qu'il y a une, je trouve qu'il y a une promotion, vraiment, il y a beaucoup de jolies, très très jolies filles. Ah, on est mal alors. Oui. On est très mal. On est très mal, il y a vraiment... Pourquoi il n'y a pas des moches, il n'y a pas que des moches, et comme ça, elle gagne au moins, ça serait super cool. Faut le dire à Sylvie, t'es bien. Ouais, c'est ça. Sylvie, je te ferai un petit message personnel, parce que là, ça va pas du tout, quoi. S'il te plaît, s'il te plaît. Quoi qu'il faut le dire à chaque personne, parce que c'est pas forcément... Enfin, c'est pas elle qui décide, c'est les jurys de chaque comité qui visent la Miss Régionale. Donc, faut dire à tous les jurys qui ont participé au vote pour chaque région. Il n'y a pas que la beauté, tu veux. Non, voilà. Ça reste. Mais ce qui n'empêche qu'il n'y a pas une moche, quand même. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas une moche. Non, mais peut-être voilà. Miss Moche, ça peut être sympa, il y aura peut-être un peu plus de monde, on ne sait pas. On verrait, c'est un clin d'œil, je ne sais pas si on peut l'ouvrir parce que j'ai des secrétaires, nous avons des secrétaires qui font des colis. Et on ne peut pas les ouvrir. Non, on ne peut pas les ouvrir. Ah, je vous assure, ça va être très compliqué. On va vous aider. Il faut se battre presque pour ouvrir, mais bon. Et puis ensuite, un petit clin d'œil de Palavas, le colis est mal fait. Je me donnais la moyenne, comme ça je me mouille pas. 5, mouille pas, voilà. Allez, super. Bah écoute, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis nous, on se donne rendez-vous dès demain encore sur Palavas, parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'ils font beaucoup de choses pour le Téléthon. Il y a vraiment des choses extraordinaires. Et on suivra bien sûr Miss Landov dans sa nouvelle vie, peut-être future. Rendez-vous le 17 décembre, ça sera à Montpellier. À l'Arena de Montpellier. À l'Arena de Montpellier. Ciao, bye bye. Et oui, c'est bien tel, hein, elle n'est pas... Et par rapport au Téléthon, ben voilà, je suis contente d'être ici ce soir pour soutenir le Téléthon. Et cette année, l'élection Miss France n'aura pas lieu en même temps que le Téléthon. Donc ça, je pense que ce sera une bonne chose. Et si maintenant nous allions faire un petit tour à la Grande Motte, voir le salon du vin, ça vous dit? Allons-y. Alors Seb, c'est la sieste là? Bah écoute, c'est la belle vie, un peu de vin, un peu de produits du terroir, la mer, le soleil. On est bien. Où là? On est au Salon du Vin à la plage, qui est ouvert jusqu'à ce soir 20h et demain toute la journée également. Alors what news par rapport à mai, à novembre de l'année dernière? Plein de producteurs, des nouvelles appellations, des nouveaux terroirs représentés aussi avec du Vaqueras par exemple, il y a du Bourgogne, du Bordeaux comme tous les ans. Nous avons des nouveaux produits du terroir avec des petites confitures très sympas. Nous avons des gâteaux à la broche qui sont très originaux à découvrir aussi. Plein de choses, bonnes choses à déguster. Des étrangers, des vins étrangers? Oui, on a des vins qui viennent de Roumanie cette année. On est très chanceux, on a une journée magnifique hier, magnifique aujourd'hui.
Demain, ils annoncent un petit peu voilé, mais beau quand même. Donc, on a un très bon week-end. Alors, vos salons, là, ça avance bien là, ça fait... C'est la combien d'éditions là? C'est la 6e édition. Ce sont des salons qui se développent doucement, mais sûrement. Et donc, au niveau des visiteurs, ça... Écoute, en croissance? Je te dirai ça lundi, mais on est très content. Sur la journée d'hier, on fait plus de 1700 visiteurs. Aujourd'hui, ça annonce très bien aussi. Oui, on devrait passer les 3000, je pense. Largement cette année. Ok, ben c'est bien. Alors, prochaine rencontre, Salon des Plages. Prochain événement, le 20 février, toujours à la Grande Motte, au Salon des Plages. On espère avoir le même temps. Et les mêmes accessoires. Et les mêmes accessoires avec le chapeau en plus. Avec le chapeau en plus et le soleil. Pourvu, on va croiser les doigts. Merci Seb. Merci Brigitte. À bientôt. Alors Françoise, miam miam tout ça là. Alors, nous fabriquons des confitures de légumes. Donc c'est un petit peu nouveau. Et nous avons quelques fruits également, mais principalement local. Donc on cherche à faire travailler les locaux. Voilà. Et on ne fait que de la saison et le plus possible français. D'accord. Vous êtes sur la région. Alors nous sommes sur Nîmes, hein, où nous avons un laboratoire et on crée. Un petit peu chaque jour, une nouvelle confiture. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Alors, en fruits, je peux vous proposer de la carotte avec de la noisette, de la confiture de poivron avec du piment d'Espelette. Ah, vous appliquez un peu, non? Non, très peu, parce qu'en fait, c'est une nuance qui relève juste le goût du légume. Le but, c'est quand même de sentir le poivron. Mais comme d'accord? Ça, les confitures, vous les sucrez? Tout à fait. Que ce soit des légumes. Tout à fait. C'est sucré salé? Alors, oui, parce que le légume est quelque chose de salé, mais quand vous cuisinez un légume, vous mettez sel, poivre, épices. Hein, il faut l'assaisonner. Donc là, c'est une confiture, donc c'est sucré, mais on l'assaisonne avec ou une épice ou une herbe, vous voyez, pour relever le goût du légume. Donc c'est assez intéressant. Là, au salon du vin. Alors moi je présente les gâteaux à la broche qui est une spécialité de l'Aveyron. C'est une façon de cuire assez originale. C'est sur une broche. C'est comme si on fait cuire un poulet à la broche. Et à la place du poulet, c'est un moule en inox, un cône. Et je fais couler de la pâte dessus. Et c'est une pâte à 4 quarts. Il y a 1 kg de farine, 1 kg de beurre, 1 kg de sucre, 24 œufs. Un petit peu de rhum et de vanille. Et vous avez une version sans gluten. Voilà. Alors j'ai plusieurs versions. J'ai sans gluten, donc la farine, c'est la farine qui change. Farine de maïs. Après j'ai farine de maïs et de blé. Et après j'en ai au blé. C'est le traditionnel, le blé. Et après j'en ai du nappé au chocolat. Du blé nappé de chocolat. Et c'est un gâteau qu'on faisait pour les mariages, pour les baptêmes, pour les communions. Et c'est région... ça a cette forme... Voilà, conique. C'est les régions montagnardes. C'était la pièce à monter. D'accord. Alors, si on veut vous acheter ces gâteaux à la broche, on fait comment? Il faut venir à Najac, dans l'Aveyron, sur les marchés. Il n'y en a que là? Non. Ah, bon. Bien sûr que non, mais les miens, ils sont à Najac, dans l'Aveyron. D'accord. Alors Margot, vous faites la promotion de vin de Roumanie. Oui, je fais la promotion de vin de Roumanie et d'un vigneron en particulier qui s'appelle Senator Wine. Oui. La Roumanie exporte très peu de vin parce que la plupart du temps, les Roumains font leur vin pour eux-mêmes. Ce qui fait que là, c'est un Roumain qui a voulu redorer le blason de la Roumanie. Donc on retrouve une vingtaine de cépages sur 4 territoires différents et plein de vins. Donc on a du moelleux, on a du vin d'herbe, on a des vins bio, des vins conventionnels, des cépages internationaux comme le Cabernet Sauvignon, le Sauvignon Blanc, le Merlot, ce genre de choses, et des cépages qui sont typiquement roumains, Tamayoasa, Romaneasca, et ce genre de choses. Alors ce sont lesquels là, qu'on les montre? Alors ceux-ci, ce sont les vins d'herbe, donc, c'est-à-dire avec un macérat d'herbe. D'herbe. Un macérat d'herbe. L'herbe en question s'appelle le péline, ouais, que vous avez juste ici. D'accord. C'est une herbe qui est connue, entre autres, qui est très très bonne pour la digestion et pour donner le sourire. D'accord. Donc c'est pour ça que ce vin est très très intéressant. D'accord. Ici, vous avez toute la gamme des vins qui sont doux, moelleux.
Ça, c'est des vins qui sont très très sucrés. Des vins qui permettent, enfin, des vins qui sont plutôt destinés aux personnes qui aiment le sucre, généralement les femmes. D'accord. Voilà. D'ailleurs, on voit les étiquettes sont faites en conséquence. Hein. Absolument. Elles sont jolies d'ailleurs. Hein. Elles sont sympas, ouais, justement. Ouais, alors là, je suis avec Clémentine qui va nous présenter ses vins, qui sont des vins de la région, puisqu'ils sont de Montpérou. C'est ça, donc Montpérou, petit village vigneron au nord-ouest de Montpellier. Donc on est présent depuis hier sur ce salon à la Grande Motte pour vous présenter donc notre gamme de vins rouges avec deux cuvées vieillies en fût de chêne et notre vin blanc sec. Donc les cépages sont grenache blanc chardonnay. Rouge et blanc et pas de rosé. Pas de rosé, il est fini depuis août. Ah, mais vous en faites quand même... On fait les trois couleurs, voilà. Ok, bon, si on veut vous acheter du vin, Si on veut nous acheter du vin, alors il faut prendre la petite carte, venir au domaine, nous téléphoner, parce que nous sommes tous les deux en double activité, donc il faut s'assurer qu'on soit bien là au caveau. D'accord, et vous ne vendez pas ailleurs ? Non, on ne vend pas ailleurs, on fait seulement de la vente directe, des salons, des foires, les estivales et le masque de Saporta l'été. Très bien, voilà. On va venir. Merci. Très bien, merci à vous. C'est ça, en fait on est sur le domaine de la Verdée. La Verdée c'est un lieu dit à l'ouest de l'appellation Vaqueras. On a tout le vignoble d'un seul tenant et donc du coup on propose uniquement des vins en appellation Vaqueras, rosé, rouge et l'année prochaine on présentera un Vaqueras blanc. C'est votre première participation au Salon du Vin ? Oui, c'est exactement ça, c'est notre première participation. Pour l'instant on est content parce qu'il y a énormément de monde et ça fait plaisir de rencontrer les personnes de la Grande Motte et des alentours. Très bien, ben merci, on va goûter votre vin. Merci. Restons maintenant à la Grande Motte et partons dans une salle qui se situe au niveau de la capitainerie. Partons à la découverte de deux artistes. Alors nous sommes avec Antoine qui est un artiste sculpteur et qui va nous expliquer ce qu'il fait aujourd'hui à la capitainerie de la Grande Motte. En effet, la capitainerie de la Grande Motte. Alors moi je fais de la sculpture, j'ai toujours travaillé exclusivement sur le genre humain. En fait, je ne sculpte pas autre chose que des personnages. Et si je fais du dessin, ce sera aussi des personnages. Et tu as des modèles ou tu fais inspiration ? Inspiration. En fait, ouais. Par exemple, la série que je vais vous présenter tout à l'heure, qu'on va aller voir, c'est une série de 10 sculptures, 10 personnages, qui portent d'ailleurs tous le même prénom, c'est Achille. D'accord ? Achille numéro 1, Achille numéro 2. Achille Zavatan ? Non. On pourrait s'amuser à sculpter des clowns célèbres, mais ce n'est pas le cas. Là, j'ai sculpté des lambda, des gens comme vous et moi, que je peux voir dans la rue, rencontrer au café du coin. Par leur attitude et leur comportement, en fait, je fais une critique de notre système. Ou un regard, j'ai un regard sur notre système qui consiste à mettre en évidence cette espèce de trucs qu'on a là où on est un peu mou, on est laxisme. Oui, on est un peu indifférent, enfin, on est un peu dans l'attentisme, on ne sait pas trop, on se pose plein de questions. Bon, c'est un regard, ça va de soi. Il y a plein de gens que j'ai oubliés dans tout ça. Mais bon, ils sont là. Après ma technique de travail, moi je suis passé progressivement, j'ai toujours travaillé le métal, soudé. Au départ, on a ici une petite pièce là qu'on peut voir de métal soudé. Il y en a une autre de l'autre côté. Et puis, progressivement, mon travail a évolué vers un autre support, mais qui lui aussi part sur le métal soudé. C'est-à-dire que les sculptures qu'on va voir tout à l'heure ont toutes une architecture, un squelette comme nous, un squelette métallique. Et ensuite, je fais un remplissage avec un mortier-colle qui est un mélange de poudre de marbre, de colle blanche, et puis d'autres produits que je ne dirais pas forcément là. C'est pas du bois ça là. On n'est pas dans du bois, non. Ah non, parce que de loin ça semble oui, du bois. L'illusion est parfaite. Ah, oui. Oui.
c'est parfait parce que on croit que c'est du bois, mais en fait c'est un modelage d'un mortier qui devient au final très dur et que je dois travailler d'ailleurs dans les 10 heures qui suivent l'application. Parce que tout ça c'est massif, c'est fait d'une seule pièce. Ah oui. Ensuite j'enlève du matériel pour sculpter, pour donner les proportions que je veux. Et puis je finis par mettre des pigments qui vont donner l'illusion du bois, l'illusion du marbre. Alors après la sculpture, nous rencontrons un artiste plasticien qui s'appelle Sébastien. Là-bas, j'ai commencé par la peinture. Là, c'est des peintures. Ouais, donc, alors, dans certaines des peintures, il y a du collage. Hein. C'est ça qui m'a amené à faire du collage. Hein. Voilà, c'est quoi l'idée ? Alors, l'idée, en fait, d'après la mythologie, c'est la figure contemporaine de la Gorgone. La Gorgone, c'était l'espèce de chimère, cette tête avec plein de serpents. Et puis, si on prenait son regard, on était vraiment pire. Et là, l'idée, c'était de retranscrire par rapport à la musique. Vous savez, quand on est dans un concert, qu'un chanteur a une voix tellement magnifique, une chanteuse, on est pétri d'émotions. Donc, cette idée-là, voilà, c'est une étude. Allez, je vous ramène à Palavas puisque vous le savez, il y avait les commémorations du 11 novembre. Voici ce qui s'est passé pour ces commémorations à Palavas. On regarde tout ça. Thank you.
passé de bien. Voici l'agneau de Dieu qui sort le monde, qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ coulent pour la vie éternelle. Nos valeureux soldats morts pour la patrie. Quand la guerre éclate, Jean Arbousset, né à Béziers, s'engage dans l'arme du génie. Il a 19 ans. Il est tué le 9 juin 1918 à l'âge de 23 ans à la tête de sa section à Saint-Maur dans l'Oise. Il a écrit un poème, Le cheval mort. Ce poème est lu par Lauriane Véro, 15 ans, Axel Boucher, 15 ans. Dans la boue et dans le sang, sur la terre grise, un vieux cheval agonise et lance à chaque passant l'appel désespéré d'un regard impuissant. L'ancien temps, et c'est la lumière. Les rêves sur la litière chaude et le hennissement, tout de joie et d'amour, des lointaines juments, c'est le pays, l'ancien temps, et c'est la lumière. Le pauvre cheval est mort, dans sa mare rouge. L'Union nationale des combattants a un devoir de mémoire qu'elle doit transmettre aux jeunes générations. Les combattants morts pour la France et pour notre liberté ne doivent pas être oubliés. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre. André Marius, mort pour la France. Armito, Jacques, mort pour la France. Avignon, Hilarion. Mort pour la France. Mort pour la France. Clément Jacques. Mort pour la France. Poupin André. Mort pour la France. Jonquette Charles-Louis. Mort pour la France. Nadet Albert. Mort pour la France. Martinet Marcel. Mort pour la France. Victor. Mort pour la France. Richard Auguste. Mort pour la France. Paul-Louis, mort pour la France. Roméo Pierre, mort pour la France. Paul, mort pour la France. Léon Roland, mort pour la France. Pascal Jean, mort pour la France. Renouvin Jacques, mort pour la France. Monsieur le Président de l'UNC et son bureau, te remercie de ta participation à la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Manel Branchy, Monsieur le maire, Monsieur le Président de l'ONC et son bureau, je vous remercie.
Attention, petit mur, et on se mouille pas les pieds. Aujourd'hui à nos côtés, et notamment le commandant Luciani, Marshal Yogi Bolaga, monsieur Graille, le capitaine Graille, qui est à Lunel et qui est venu nous aider à Palavas pour cette belle cérémonie, et puis le major. Je vous amène maintenant à la SPA de Montpellier à la rencontre de Rémi Gaillard et avec un invité surprise. C'est bon, nous. Hein? Oh putain, c'est mon amour. Hein? Non, bien sûr. Ouais. C'est vrai? Moi, je suis un boulonnard, moi, tu sais bien, je suis comme toi, moi. Prosper. Ouais. Moi, je vais faire le live. Ouais, moi, je pense qu'on devrait prendre la caméra, on va prendre un peu de langue. Oh, vous lui avez amené à manger? Tiens, les gamins, ils m'ont bébé. Merci, c'est gentil. Allô? Ouais, attaque-le. À la main, le live. C'est bien, hein, tu penses à mon chien, tiens. Et ça, c'est la grande directrice, ça. Ah ouais, là, on a... Ça, c'est un corps. Je la connais depuis... Depuis longtemps. Bon. Voilà, on se connaît. Avec Georges. Il y a quelque chose quand tu n'es pas une merde. Mais si, on sait. Ouais, ça va. Je peux faire des conneries comme ça. Bah, une connerie, c'est une connerie sympa. C'est vrai, hein. Allez-y. Voilà, donc toujours en direct de Montpellier, à Villeneuve-les-Maguelones, à la SPA. Je continue mon SPA-ton tout seul et je remercie tous les petits gens parce que finalement, c'est des centimes qui défilent au compteur. Et grâce à vous tous, on a accumulé, on peut le dire officiellement, je vois pas le compteur, mais je pense qu'on avoisine les 128 000 euros pour la SPA de Montpellier et surtout pour les animaux. Merci. Et j'aimerais remercier tout le monde d'être venu m'apporter son soutien. Et Monsieur Nicolin qui représente le club de la paillade que je suis depuis toujours et que j'aime. Tu m'as fait vibrer, Loulou, tu m'as fait vibrer. Alors je sais que tu as une grande gueule, mais moi je sais surtout que tu as un grand cœur. Et ceux qui disent le contraire, et ben finalement... ils n'ont pas forcément un cœur de chien. Pour t'aimer, il faut avoir un cœur de chien. Et c'est peut-être parce que je suis un chien que je t'aime. Et Loulou, je suis... Je viens pas, t'as papa. Donc Loulou, écoute, je te laisse carte blanche, t'es à l'antenne. Il y a 9 millions de personnes potentielles qui sont en train de te suivre. Donc tu vois, c'est bien plus qu'au stade à la paillade. Hein. Voilà. T'as raison. Donc Loulou, je suis vraiment ravi de t'accueillir, de ta présence et ça me touche sincèrement du fond du cœur. Donc toi, je sais que ça te fait marrer. Ça me fait marrer, c'est pour la bonne cause, mais je reconnais que te voir derrière un grillage comme ça, ça fait tout drôle.
quoi qu'il habitue, gesticule, fait plein de conneries. Là, tu as, c'est peut-être une connerie pour certains, mais pour moi, c'est quelque chose de très très sérieux. C'est bien. Merci Loulou. Et j'aimerais profiter de la présence de Loulou pour donner une vraie bonne nouvelle qui vaut peut-être mieux que les 128 000 euros. C'est que Thaïs, le chien le plus vieux de la SPA, a trouvé une famille à 14 ans. Voilà. Bravo. Merci. C'est Maggie qui l'a adopté. Et on remercie Maggie de l'avoir adopté. Voilà, Maggie, bravo. Bravo, bravo. Mike Dadou est là encore? Je suis derrière vous. J'ai passé toute la journée hier avec toi, j'en peux plus. Donc voilà, vous avez vu un dessin de Dadou qui m'a accompagné hier en direct avec ses potes dessinateurs, il y avait Man et les autres. Et on vient de faire une vente aux enchères ici à la SPA de Montpellier. C'est le deuxième, voilà. Je pourrais, j'achèterais plein. Une fan de Rémi ou une fan des animaux? Une fan des animaux et de la cause. De tout ça. Donc voilà pourquoi j'achète ça. C'est pour l'aider et participer un minimum comme on peut. Voilà. On a fait à peu près 1000 euros. Donc merci encore. Merci. Bon, tu signes quand la paillade? Alors, ouais, Loulou, j'ai une question. Ah, je signe quand la paillade? Alors, on va réfléchir à ça. Ça serait bien que tu fasses le dernier match, si on est sauvé. Non, mais attends, je vais te dire mieux que ça. Moi, je pense que le dernier match, je peux te sauver. Il y a photo, on joue contre l'Olympique Lyonnais, hein. Ça va être pas facile. C'est vrai. Mais je reconnais que ça te faisait prendre une licence bien avant. Pour faire une connerie, parce que tu ferais une grosse connerie. Si on est sûr d'être sauvé, on va prendre une amende. Mais ça, on en a rien à foutre. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ça peut peut-être faire venir du monde. Et ben voilà, on va faire ça. Donc on s'engage avec Loulou. Je foulerai la pelouse de la Mosson. Et attention, je suis capable de la mettre au fond. Ouais. Bon. Et t'as pas une chaise de rien? Non, mais ben ouais, t'as déjà vu un chien avec une chaise? Donc pour l'instant, malheureusement, je suis au fond de la cage. J'aimerais aussi faire venir le futsal Montpellier qui descend de Paris. Allez. Et qui vient de gagner 5 à 3 à Paris. Donc un gros soutien à la SPA Denis, mais pardon. D'ailleurs, encore un qui dit des conneries. Et on aimerait organiser un match pour soutenir la SPA de Montpellier. Donc venez nombreux. Super, merci. Alors Loulou me demande, je reste jusqu'à quand? Alors, il faut déposer une caution pour te libérer. Alors, au départ, il y avait deux objectifs. C'était soit d'atteindre 50 000 euros, d'atteindre 50 000 euros, mais on les a largement dépassés. Bah, ouais, tu peux sortir de suite. Hein. Ouais, je pourrais sortir de suite. Mais tu te plais. Mais je me plais. Et pourquoi je vais rester une nuit de plus? Malheureusement. Oui. C'est parce que j'ai pas le droit de sortir. J'ai pas le droit de sortir parce que si je suis dehors, je suis pas sûr que ça continue d'évoluer. Et le seul roi qu'on a vu, c'est toi. Oh là là. Je te remercie. Allez, bravo. Allez, 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 allez. Allez, donne la papata. Donne la papata. Merci Loulou. Je te laisse l'antenne. On termine avec toi. La caméra est devant toi. Regarde. Oui, c'est là-haut. Là. Où? Là. Ici, là. À gauche. Je te laisse l'antenne et moi je vous retrouverai ce soir. Et là, tu vas dormir, hein? Je vais essayer, ouais. Et où tu pisses? Je pisse dans un bidon derrière. Hein? Dans un bidon derrière. Un bidon de 20 litres, hein? Gros, il y en a un parti. Non, mais j'ai des chiens. Jack Russell. J'ai des chats, j'ai des chiens, j'ai des taureaux, des chevaux. J'adore les bêtes. C'est vrai. Je m'en occupe pas personnellement tout le temps, mais ben, j'aime. Vous êtes pas seul à l'idée. Alors, c'est qui? Happy TV. C'est Happy TV. T'es content d'être là? Bien sûr. Allez, les gendarmes, mais raconte-lui. Pourquoi? Mais raconte-lui. Bah, c'était un fantasme. Je pense qu'il kiffait depuis longtemps de me mettre en cage. Je te jure, ils sont venus. Et puis pour finir, je vous amène au Sainte-Marie-de-la-Mer avec la Bribado du 11 novembre. Et oui, c'était très 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 spectaculaire. Je vous dis
À la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures et surtout, restez curieux. Ce festival est une rencontre unique, à la gloire des chevaux et des passionnés de bovines. Chaque année, pour le 11 novembre, le festival d'Abrivado regroupe plus de 200 gardiens et 1000 chevaux venus de toute la Provence pour participer à ce festival. Onze Abrivado se succèdent et s'enchaînent. Elles mettent le savoir-faire des gardiens à rude épreuve pour contenir les taureaux toujours prêts à s'échapper.